Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, la suite. La suite sur le mandat de Donald Trump. Finalement, est-ce que son mandat va être plutôt satisfaisant Quelles sont les péripéties Alors bien sûr, c'est difficile, 4 ans, c'est court, c'est long. En tout cas, en voyance, sur une voyance de 15 minutes, ça peut paraître très court. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire sur ma boîte mail Utrvoyant.com Je réponds gratuitement à vos interrogations, à vos questions précises. Je ne fais pas gratuitement les questions d'ordre général. N'oubliez pas aussi d'aller visiter les sponsors de la chaîne, les partenaires en tout cas. Natural Mystic Shop, vous pouvez obtenir une réduction avec le code qui se trouve dans la description ici, sous mon doigt de la vidéo. Et de la même façon, vous pouvez aller voir sur le site de la Clé Dorée. Chacun fait des objets rares, des objets magnifiques. Je vous encourage à visiter leur site. Et puis, n'oubliez pas au passage, vous pouvez télécharger les PDF que la chaîne met gratuitement à votre disposition. À présent, voyons le thème de la question de, de ce jour. Comment va évoluer le deuxième mandat de Donald Trump. Alors, ce qui est intéressant, et eh bien, c'est de voir si nous avons du martien, du lunaire, si nous avons, au contraire, des choses qui se mettent en place, comme Jupiter. Une carte jupitérienne pourrait montrer dans ces trois-là que, au final, des choses qu'il pourrait mettre en place qui perdureraient et qui ne serait pas rejeté par le président suivant. Il y a quand même une forme d'incertitude. Or, si vous vous souvenez du tirage d'hier, si, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir, à le découvrir, on sent avec cette carte lunaire de l'incertitude. Or, dans le tirage d'hier, comme je vous disais, nous avions la carte ennemie. Et je vous avais dit, des ennemis. Ce que je vais appeler l'état profond, puisque c'est les mots de Donald Trump, qui vont lui savonner la planche. Or, lui-même sent bien que, même s'il a de la volonté, que son mandat ne va pas être si simple que cela. Et qu'il va falloir gérer les choses au jour le jour. Or, oh, bien sûr, il a des idées qu'il souhaite mettre en place, mais même s'il donne l'avantage, on va dire, l'idée qu'il va réussir à faire ce qu'il veut, lui-même n'en est pas si sûr. Il n'y a pas de sérénité absolue sur Donald Trump. Attention toujours avec, euh, avec Trump, qui est un joueur de poker, hein, à l'image qu'il envoie et ce qu'il ressent intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'il a peur. Là, nous ne sommes pas sur la carte la plus difficile de, de, des, des cycles lunaires. Mais le septénaire de la Lune, c'est toujours des angoisses, des interrogations, des, des petites craintes. Celle-ci n'étant pas la pire, la carte de l'eau montre une certaine incertitude. Où les Européens partaient au XVIIIe siècle vers les Amériques, ils montaient dans un bateau, et puis ils étaient à la merci de tempêtes, de pirates et je ne sais quoi d'autre, et donc forcément, ils n'étaient pas certains d'arriver en vie de l'autre côté. Ils vivaient au jour le jour, et c'est le sens de cette carte. Ce qui va aller contre la présidence de Donald Trump. Alors je vous avoue que je suis un peu embêté avec cette carte. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, désolé de vous faire des retours vers la vidéo précédente, je vous ai dit que je vous annonçais un décès de Donald Trump après son mandat dans euh, 7-8 ans. Cette carte nous montre le départ de Donald Trump de sa présidence, avec des craintes. Mais je ne voyais pas, je ne ressentais pas son décès pendant sa mandature. Alors elle m'embête parce que je n'avais pas fait le tirage précédent, je pense que je vous aurais dit que Donald Trump ne finirait pas son mandat. Or, je n'ai pas ce sentiment, j'ai quand même le sentiment qu'il finira son mandat. Je le vois... De... Bien sûr, on finit tous par décéder un jour. Il a 78 ans. Dans quatre ans, il en aura 82, On... voilà, ça, peut, ça peut arriver, mais je ne le sens pas comme ça. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression qu'il se met en retrait à un moment du gouvernement. Peut-être pour maladie, même s'il nous semble une force de la nature, sera-t-il encore aussi bon, au... aussi tonitruant dans trois ans La première chose qui m'est venue en tête, j'ai eu l'impression qu'il allait devoir être opéré qu'il allait subir un problème de santé qui le mettrait de côté pendant une petite partie de son mandat et vous savez que dans ces cas-là aux États-Unis c'est le vice-président ou la vice-présidente qui reprend le flambeau donc je dirais méfiance je vais rester sur ce que je vous ai dit hein, même si effectivement il y a un, je, je vous avoue Humblement, il y a un petit risque d'erreur, enfin, même un risque d'erreur important, c'est que Donald Trump, que j'ai mal estimé le temps sur le, la vidéo précédente, et que là, ça nous annonce son décès. Je ne le ressens pas comme ça, mais je préfère vous prévenir, en toute humilité, il existe un risque. Parce que Saturne, que nous avions précédemment dans l'autre tirage, n'est pas quelque chose qui s'estime facilement. on lui conseille de se battre on lui conseille de s'imposer dans ce double mandat dans ce deuxième mandat pardon ce qui montre que quelque part Donald Trump pourrait être un tout petit peu lent non pas lent intellectuellement nous ne sommes pas sur euh, j'allais dire une méchanceté sur Joe le neuneu mais bon en référence à Biden qui perd le, qui perd la boule, hein, il faut être clair euh, Non j'ai l'impression que c'est pas qu'il va tarder mais qu'il faudrait précipiter les réformes qu'il souhaite mettre en place comme si justement il n'avait pas le temps. Vous voyez si, si j'avais eu ça ici je, je vous aurais dit je me suis trompé dans le tirage précédent, il décède pendant son mandat. Là, ce qui va aller contre... Moi, j'ai l'impression, fraîchement, qu'il Qu va y avoir un problème sur la santé de Trump. Euh... Quelque chose va se passer. Euh... Il n'aura pas quatre années de tranquillité. Et il y aura un petit problème sur... Pour moi, il y aura une... Il y aura quelque chose. Oui, je pense, une opération. Mais à part ça... L'étoile de l'homme représente tout à fait le personnage. Il y a un côté égocentrique chez Donald Trump. Bon, je dirais honnêtement, pour prendre du recul, quel homme politique n'a pas un côté égocentrique Qu'il soit un bon politicien ou un mauvais, l'ego fait partie des gens de pouvoir. Donc cette carte au centre montre bien Donald Trump qui est au centre de tout, qui dirige tout. Mais quand on regarde la personnalité du, de ce candidat, euh, de cet homme politique, c'est vrai qu'il a la stature imposante, euh, on, on sent bien le maître du jeu. Mais si on regarde, il aura des choses extrêmement intelligentes, et extrêmement importantes qu'il va mettre en place. Je vais d'ailleurs regarder un petit peu plus loin sur ça, puisque ça nous concerne, indirectement. Mais si on pense... Beaucoup de choses vont se mettre en place, des contrats importants. Et dans quel domaine Sur le climat. Alors on a du mal à croire Donald Trump comme écologiste, ou qu'il se soucie du climat. Alors la carte ne dit pas si c'est dans le sens écologique ou anti-écologique. Mais en tout cas, il va prendre des décisions qui auront une portée sur l'écologie. Il y aura quelque chose qui va se porter aussi vis-à-vis -vis des pays, euh, j'allais dire des pays arabes, du golfe, alors Persique ou de l'Arabie saoudite, en tout cas dans cette région-là, euh, il va prendre des décisions vis-à-vis d'eux. On peut se dire vraisemblablement des décisions en matière euh, économique. Je vous rappelle, par exemple, l'Arabie Saoudite fait partie des BRICS. Or, vous savez que les, la formation des BRICS eh bien, met en danger le dollar. Mais Donald Trump est un pragmatique. Il n'essaie pas de combattre cela, il essaie de s'adapter. Encore une fois, il n'a pas fait fortune en voulant combattre il a fait fortune en s'adaptant et en sachant commercer. Là, pour moi, c'est un indicateur où Donald Trump eh bien, va arriver à conclure des accords avec l'Arabie saoudite, à renforcer certains côtés, en tout cas dans toute cette région-là. Je continue à prendre une carte pour voir et à découler ces mesures. Il aura un bilan, finalement, avec la réussite. On sent que son mandat sera... Extrêmement bon au niveau des États-Unis. Réussite, presque comme si tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Alors, bien sûr, là encore, la puissance américaine, même si elle est en déclin, reste importante. Les États-Unis sont un pays bien plus important que la France bien plus important que l'Espagne, la Belgique ou ce que vous voulez. Et c'est un pays de premier plan qui peut imposer, même s'il si est en perte de vitesse, qui peut imposer encore beaucoup de choses. Alors bien sûr, je vous ai parlé de la guerre, vous voyez, on, on ne le voit pas. On est sur de l'économie, sur de la réussite, sur le climat. Comment, va, comment Trump va-t-il agir face à cette guerre en Ukraine. Eh bien, regardez, c'est intéressant, nous avons la carte de la fatalité, il va y mettre fin. Là encore, nous avons une carte saturnienne, ce qui montre un temps long. Alors, bien sûr, on voudrait qu'il y mette fin le lendemain. Pour moi, ça ne sera pas aussi simple que ça il ne va pas arriver un jour et que le J plus 2, la guerre s'arrête, ça va prendre un peu plus de temps, peut-être plus de temps qu'il ne le voudra lui-même, mais Donald Trump mettra fin assez rapidement, pour moi je dirais, dans l'année qui va suivre, son élection, sa prise de pouvoir, donc en 2025, mais plus longtemps qu'il ne le voudrait, moi je dirais vers mai-juin. Je ferai une estimation comme ça. Et une dernière question à l'oracle. Comment les Français vont-ils juger le mandat de Donald Trump Parce que bien sûr, en voyance, on peut faire ça. On peut regarder. C'est subjectif parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Donc on va dire qu'on va parler sur la majorité. Et vous voyez, je vous ai annoncé une seconde naissance de Donald Trump, toujours dans la vidéo précédente. J'ai le sentiment que ce qui lui est arrivé, cet attentat sur sa personne, lui auront fait changer, l'auront rendu un petit peu moins tonitruant sur certains aspects. Et puis il y a aussi beaucoup de changements. L'européen va se dire que ce n'est plus le même Donald Trump que lors de son premier mandat, mais ce n'est plus la même politique US que lors du mandat de Biden. Il apporte le vent du changement, mais si vous remarquez, à aucun moment il ne fait peur aux Européens. Nous n'avons pas de carte lunaire, donc nous n'avons pas un Donald Trump qui effraie les Européens. Non, nous avons un Donald Trump qui apporte du changement, c'est vrai, mais après tout. Si le changement est positif, pourquoi s'en inquiéter Et a priori, il le sera, puisque les Européens n'ont pas peur de ces mesures. Il, il va peut-être contrarier les gouvernements. Il, il va peut-être contrarier euh, l'Union européenne, mais ça, c'est pas grave. Les Français, eux, finalement, dès notre, ils ne seront pas vraiment non plus satisfaits parce que nous n'avons pas une carte solaire ou vénusienne. Mais en tout cas. Il va montrer du changement. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.